À s'enraciner, le forum n'est pas bientôt fini, mais quand même, il aura une fin. Et donc, il est temps de commencer à penser à comment porter du fruit après s'être enraciné. Donc voilà, la foi et les œuvres par Tuc d'Uhalderville. Bon, Tuc d'Uhal, oui, avant, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Comment est-ce que Jésus est venu dans ta vie en deux mots? En deux mots, ça va être difficile. Mais bon, c'est vrai, j'évoquais il y a quelques minutes une rencontre à Lourdes. Je pense que le Seigneur m'a saisi par ce que moi j'appelle maintenant l'effusion du pauvre. C'est-à-dire que j'ai rencontré ce petit garçon qui ne parlait qu'avec les yeux. Un petit battement vertical pour dire oui, un petit battement horizontal pour dire non. Et puis j'ai été comme émerveillé par son humanité. Et je pense que le Seigneur m'a rattrapé par finalement la beauté de la personne au-delà de toutes les apparences. Et c'est de fil en aiguille, à partir de cette expérience de rencontre à Lourdes, qu'il s'est manifesté. Jean Vanier dit qu'il y a un chemin de Jésus vers les pauvres et un chemin des pauvres vers Jésus. Moi, je crois que c'est ce chemin-là que j'ai fait. J'avais une foi d'enfance qui était un peu abîmée par l'adolescence et elle a ressurgi, elle s'est ressemée dans la rencontre avec Cédric et ensuite plein d'autres amis. On va te confier, Seigneur, Tuc d'Uhal, au Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es présent dans les plus pauvres et dans les tout petits, viens passer par Tuc d'Uhal, qui se fait tout petit aussi, qui va se livrer à nous aujourd'hui, pour que tu puisses passer, descendre dans nos cœurs, que tu puisses nous aider à comprendre pourquoi nous sommes sur cette terre, quelle mission d'amour tu nous as confiée. Sois béni, Seigneur. Chers amis, en préparant cette intervention sur la foi et les œuvres et sur les clés pour l'engagement, je me suis dit il serait temps que tu t'engages, Tuc d'Uhal. Parce que tout ce que je vais vous dire, c'est ce que j'aurais besoin de suivre moi-même, c'est-à-dire de vraiment suivre le Christ, plutôt que mon propre nombril, mes désirs, etc. Mais c'est le lot de chacun, bien sûr. Alors d'abord, je voudrais commencer par vous parler d'une controverse entre la foi et les œuvres, qui heureusement est, on pourrait dire, réglée. Ensuite, je vous donnerai quatre paradoxes à cultiver pour s'engager, à articuler pour s'engager. Ensuite, quatre clés pour s'engager. Et puis, si j'ai le temps, une petite conclusion. D'abord, une controverse entre la foi et les œuvres. Je ne sais pas si vous savez, mais certains se sont revendiqués de saint Paul et d'autres de saint Jacques. Les uns disant avec saint Paul que seule la foi pouvait sauver et certains disant avec saint Jacques que seules les œuvres pouvaient sauver. Alors je lis le chapitre 2 de la lettre de saint Jacques. « À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise « allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. » Voilà ce que dit saint Jacques. La foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est-elle morte. Et le pape Benoît XVI, dans une audience générale de 2008, a assez longuement parlé de cette controverse en la dépassant bien sûr par le haut. Hein, l'homme n'est pas, je le cite, l'homme n'est pas en mesure de devenir juste par ses propres actions, mais il peut réellement devenir juste devant Dieu uniquement parce que Dieu lui confère sa justice en l'unissant au Christ, son Fils. Et cette union au Christ, l'homme l'obtient au moyen de la foi. C'est en ce sens que saint Paul nous dit que ce ne sont pas nos œuvres, mais la foi qui nous rend justes. Toutefois, cette foi n'est pas une pensée, une opinion, une idée. Je continue encore à citer, mais ça ne va pas être très long. Cette foi est communion avec le Christ que le Seigneur nous donne, elle devient donc vie, elle se conforme à lui. En d'autres termes, si la foi est vraie, si elle est réelle, elle devient amour, elle devient charité, elle s'exprime dans la charité. Une foi sans charité, sans ce fruit, ne serait pas une vraie foi, ce serait une foi morte. Autrement dit, c'est notre foi, d'une certaine manière, se vérifie par nos œuvres. Et le pape François lui-même, en février 2014, dans une homélie, a pu dire « Une foi qui ne porte pas ses fruits à travers des œuvres n'est pas une foi.
Il évoque même les démons qui croient, mais qui n'ont pas en fait la foi parce qu'ils n'ont pas la charité. Donc notre foi nous engage. La foi n'est pas théorique, elle est pratique. La foi implique le témoignage. Et encore le pape François nous dit, la foi mène toujours au témoignage. La foi est une rencontre avec Jésus, avec Dieu. Et de là, elle naît et te mène au témoignage. C'est ce que l'apôtre veut dire. Une foi sans œuvre, une foi qui ne t'implique pas, qui ne te mène pas au témoignage, n'est pas la foi. Ce sont des paroles et rien de plus que des paroles. Voilà de quoi nous inciter à mesurer la communion qu'il y a entre la foi et les œuvres. On pourrait dire la communion d'amour qu'il y a entre la foi et les œuvres. Saint Paul dit, c'est le Christ qui vit en moi. Et nos actes de charité, au fond, font comme vivre en nous le Christ et manifestent notre foi. C'est une expérience de communion. Voilà notre foi qui donc doit s'incarner. Et à la fois, c'est le paradoxe. La foi se manifeste et se prouve d'une certaine manière par nos œuvres. Et puis la foi, par les œuvres de charité, en même temps se nourrit, se renforce. On voit que les grands saints qui ont connu la nuit de la foi ont persévéré dans la charité. Je pense à Mère Teresa. Vous savez que pendant 50 ans, elle n'a rien ressenti de cette foi qui pourtant l'habitait. Eh bien, c'est par les actions auprès des plus fragiles, auprès des plus pauvres. Elle s'est comme accrochée à ses œuvres pour tenir dans la foi. Vous savez, chers amis, un chrétien qui n'est pas engagé est un chrétien dégagé. Et qui a comme sa foi déracinée. Imaginez un... Je parle aux garçons seulement, hein, je n'ai pas d'exemple pour les filles. Si, parce que bientôt il y a du foot féminin, mais un gars qui viendrait sur un terrain de foot et qui ne toucherait pas le ballon, il serait dégagé. Voilà, et il y a donc la nécessité, une évidence de nécessité d'agir en conformité avec sa foi. Voilà pour brièvement résoudre le paradoxe entre la foi et les œuvres. Mais vous pourrez peut-être, sur ceux qui ont envie de se former davantage, regarder tout ce qui a été écrit là-dessus depuis pas mal de temps. 4 paradoxes, cette foi à articuler pour s'engager, comme des contradictions. Et je vais utiliser la formule « et en même temps » que vous connaissez peut-être dans l'actualité politique de ces temps derniers. Premier paradoxe, d'un côté on ne s'envoie pas tout seul et en même temps toute vocation est personnelle. On ne s'envoie pas tout seul, un chrétien seul est un chrétien en danger. Et il y a une dimension collective, communautaire dans l'appel, dans l'engagement. Il y a toujours à vérifier peut-être que par la médiation d'autres personnes, par des bons anges qui nous ont montré qui nous étions, les talents que nous avions, qui nous ont appris à nous connaître, car l'homme a besoin d'autrui pour se connaître, eh bien progressivement on se sent envoyé par d'autres. Ceux qui s'envoient tout seuls sont souvent confrontés à la sécheresse de leur implication. Je pense à Moïse, lorsqu'il a voulu faire justice par lui-même, avant d'être envoyé, il a tué un Égyptien, il a fui ensuite, il était comme perdu parce qu'il n'était pas encore envoyé. Donc, se laisser envoyer sans avoir peur de chercher l'autorité aussi qui va nous aider à y voir clair. Et puis, d'un autre côté, toute vocation est personnelle. Et il faut peut-être se méfier des envois trop collectifs. L'instinct parfois grégaire de vouloir faire comme les autres. Jésus compte sur moi, personnellement. Je suis unique et irremplaçable. Tu es unique et irremplaçable. Et il compte sur toi pour transformer le monde, pour agir au cœur du monde. Chacun d'entre nous est comme une icône du Christ, une icône irremplaçable, une facette unique et irremplaçable du visage du Christ. Et donc, à un moment donné, cet appel, il va être personnel. Lorsque Saint-Pierre et Saint-Jean, dans la barque, aperçoivent le ressuscité, c'est Saint-Jean qui indique à Saint-Pierre qui il est. C'est le Seigneur. Saint-Pierre, qui était tout nu, s'habille, se jette à l'eau pour rejoindre le Seigneur. Et le Seigneur ensuite va lui dire, tu sais, un autre te ceindra la ceinture. Enfin, il lui annonce avec délicatesse sa vocation au martyr après toutes les questions, m'aimes-tu, que vous connaissez bien. Et d'autres ont dit, oui, Saint-Jean va le voir, et moi alors. Voilà, comme s'ils avaient la même vocation. Et le Seigneur lui fait bien comprendre que même si leur amitié fraternelle les a aidés à reconnaître le Seigneur, a aidé Saint-Pierre à reconnaître le Seigneur par le regard de Saint-Jean, eh bien, leurs vocations sont vraiment uniques et bien sûr irremplaçables. Deuxième paradoxe, d'un certain côté, il y a la sagesse de l'Évangile
Et de l'autre côté, il y a la folie de l'évangile dans l'engagement. Et il faut qu'on articule les deux. Sagesse de l'évangile, par exemple, fleurie où tu es semé, fleurie où tu es planté, là où tu es, fleurie où tu es peut-être rempoté dans une ville d'adoption. Pourquoi aller chercher si loin ou ailleurs dans des rêves un peu fous alors que la charité peut s'exprimer ici et maintenant, tout autour, chez des personnes très proches. J'ai une de mes tantes qui est décédée avant-hier et qui s'étonnait que tant de jeunes aillent au bout du monde pour servir alors que des personnes âgées mouraient de solitude dans les EHPAD. Alors je dis ça sans du tout contester les magnifiques vocations à aller au bout du monde, et on en aura un témoignage, je crois, dans l'envoi de Fidesco. Mais il y a cet appel peut-être à ne pas attendre demain ou je ne sais pas quelle grande aventure pour agir. Donc une sorte de sagesse, et puis une sagesse aussi qui se manifeste par des petits actes de proximité, dès aujourd'hui, et puis par des programmes, une réflexion. Voilà, celui qui veut construire quelque chose, eh bien il s'assoit, il réfléchit, il programme. Sagesse de l'évangile. Et en même temps, folie de l'évangile. Laisse-toi déranger, laissons-nous déranger. Je me souviens un jour, je transportais ma batterie, parce que je jouais de la batterie, et pour une cérémonie dans une église où je devais jouer, et puis pendant que je transportais mes caisses, c'est lourd, hein, puis c'est plein d'allers-retours, il y a un gars qui était assis sur une marche à côté de chez moi, et qui m'a dit, on pourrait discuter. J'ai dit, ah non, je suis désolé, parce que personne n'a jamais le temps de discuter avec moi. Il a fondu en larmes. J'ai posé mes caisses, je me suis assis à côté de lui, et on a discuté. C'est extrêmement important d'être disponible à la surprise, au dérangement. Et peut-être parfois des dérangements qui sont déchirants. Jean-Alain Grin, qui a fondé avec sa femme Lucette une œuvre d'adoption d'enfants porteurs de trisomie 21, a dit que c'est quand le cœur est le plus déchiré qu'il peut le plus être rempli. Donc pas hésiter à se laisser déchirer le cœur, déranger. Jésus, quand il va prier à l'écart pour être bien tranquille, exprime la sagesse de son évangile, aller se ressourcer. Mais il est dérangé par les foules, il se laisse déranger. Et là, il y a des guérisons, une multiplication des pains. Voilà, il se laisse déranger dans ses plans. C'est ce grand mystère. Alors, je ne vais pas le régler pour vous, mais comment on peut articuler la sagesse et la folie? C'est à chacun de voir avec l'aide du Seigneur. Troisième paradoxe, c'est paradoxe entre les talents, nos talents merveilleux, et puis cette pauvreté, cette faiblesse. Moi, j'avais envie souvent de dire, le Seigneur m'envoie parce que je suis pécheur. Mais il faut peut-être commencer par reconnaître nos talents. Je pense que si nous arrivions tous à dire « Je te bénis, ô Seigneur Dieu, pour la merveille que je suis, comblé de talents », peut-être 80% des problèmes du monde seraient résolus. « Je te bénis, ô Seigneur Dieu, pour la merveille que je suis. » Vraiment, que n'as-tu que tu n'aies reçu la joie d'avoir tant et tant de talents. Dans la parabole des talents, j'étais frappé de voir que celui qui n'en a qu'un l'enterre. Pourquoi? C'est peut-être parce qu'il croit qu'il n'en a qu'un. Parce qu'on a tendance à ne pas s'engager, parce qu'on croit qu'on n'est pas digne. Mais c'est l'histoire de toutes les vocations. Moïse, envoyé voir Pharaon, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier ni d'avant-hier. Et quand tu me parles, toi Dieu, ma bouche est pâteuse. Qui t'a donné une bouche? Voilà. Saint-Pierre, lorsque, après l'épisode dont on a lu un extrait, la première pêche miraculeuse, lorsqu'il voit tous ces poissons, il dit « Écarte-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Mais c'est justement parce qu'il est pécheur que le Seigneur l'envoie. Donc à la fois, le paradoxe que nous avons tant et tant de talents à reconnaître, ça serait vraiment ingrat de penser que Dieu n'a pas le bras assez long pour nous donner tout ce qu'il faut, pour nous sauver de nos noyades, comme il a sauvé Saint-Pierre lui-même de la noyade lorsqu'il marchait sur les eaux à sa rencontre. Dieu a le bras long. Ne soyons pas ingrats, il va nous donner tout ce qu'il faut pour la route. Et en même temps, reconnaissons que c'est parce que justement nous sommes pauvres, fragiles, que nous avons besoin de nous engager. Je me souviens d'un homme qui recevait dans une communauté les engagements, il disait « c'est pas parce qu'on est fort qu'on s'engage, c'est parce qu'on est faible, parce qu'on a besoin de l'engagement, de l'implication durable pour tenir ». Alors, le quatrième paradoxe de l'engagement, c'est que l'engagement est à la fois source de joie et source de souffrance. Il se vérifie d'une certaine manière par la paix, il se vérifie aussi par le combat. Source de joie, vous savez que c'est une des clés qu'on dit pour une vocation. La vocation, à un moment donné, doit apporter la paix du cœur, quelle qu'elle soit. Donc il y a au début un enthousiasme, mais au bout d'un moment, il y a une paix du cœur qui manifeste qu'on a posé son sac, on arrête de zapper partout, on a posé son sac auprès d'un être tendre qui sera notre amour
humain de notre vie terrestre. On a posé son sac dans un lieu, dans un groupe, dans une communauté, on a arrêté de zapper, on est en paix. On a arrêté de chercher frénétiquement, on se pose. Voilà, moi j'ai souvent, à plusieurs reprises, éprouvé ce sentiment de paix intérieure lorsque simplement je pense avoir répondu à un appel pour m'impliquer là où j'étais appelé, sans regarder trop ailleurs. Et d'une certaine manière, je ne pensais pas avoir tant de joie dans les implications que j'ai pu avoir sur le plan associatif ou aussi peut-être et même certainement dans le mariage. Mais également, je ne pensais pas avoir tant à souffrir. Et c'est le paradoxe, parce que dans l'appel, dans la réponse à un appel, il y en a un qui se démène, c'est le décourageur. Celui qui ne cesse de venir titiller nos scrupules, nous décourager, nous donner envie de fuir, nous dire « tu n'es pas à la hauteur, regarde ». Alors moi, ça m'est arrivé à bras ouverts au bout de quelques années. Je le raconte dans mon livre, mais j'ai eu l'impression que finalement, à bras ouverts était pour moi une source d'orgueil. Les gens trouvaient fantastique qu'on passe du temps auprès d'enfants handicapés. Voilà, et du coup, je me suis dit finalement, à quoi bon, si c'est juste pour m'enorgueillir, à quoi bon? Alors j'ai fait une retraite de 10 jours, ignatienne, et puis le Seigneur s'est manifesté dans cette retraite vraiment comme une joie, une paix intérieure très grande. Voilà, ton orgueil, confie-le dans la confession. Mais c'est là que je t'attends, c'est auprès de ces enfants. Et un grand amour a surgi dans mon cœur pour ces enfants d'à bras ouverts avec lesquels je passais tant de temps. Mais s'engager, ça veut dire consentir à l'aridité, traverser des déserts dans les relations d'amitié, dans les relations d'amour, dans nos communautés, dans nos groupes. C'est traverser ce temps plus aride qui est le véritable temps de l'engagement. Vous savez que Sainte Thérèse d'Avila, qui s'était cassé le bras un jour dans sa mission, avait protesté auprès du Seigneur, qui lui avait répondu « C'est ainsi que je traite mes amis. » Ça ne m'étonne pas que tu n'en aies pas beaucoup, avait-elle répondu. Voilà, il y a des grâces, heureusement, et pour nous rassurer, qui sont toujours supérieures aux peines. Voilà, c'est donc pas grave. Lorsque le pape Benoît XVI est devenu pape, il a répété les paroles de son prédécesseur, Saint Jean-Paul II, « N'ayez pas peur d'ouvrir grandes vos portes au Christ, vous ne perdrez rien. » Voilà, vous ne perdrez rien. On a toujours peur de perdre. Hein. Dire la prière de Charles de Foucault, « Fais de moi ce qu'il te plaira », ça déchire, hein, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir véritablement envie d'aller là où on ne voudrait pas aller. Mais dans la foi, nous pouvons dire « Nous ne perdrons rien à nous engager. » Il y a peut-être... une des plus grandes et une des plus belles folies de l'Évangile, qui est le mariage. Il y a d'autres vocations, bien sûr. Hein. Voilà, le mariage, la fidélité sexuelle en amour, le don de soi, le fait de ne plus faire qu'un. Voilà une folie de l'engagement dont le monde a besoin. Et le monde en est malheureusement fortement inconscient. Et donc ici, je nous exhorte tous à nous réjouir de ce sens extraordinaire du mariage qui fait que deux coqs isolés, qui ne pouvaient pas affronter la tempête, se relient par le Christ crucifié, l'Esprit Saint souffle, et dans les tempêtes du monde, elles peuvent vraiment aller en mission. Voilà, il y a bien sûr aussi des appels à la vie consacrée, à devenir prêtre, qui peuvent aussi surgir dans nos cœurs et qui sont bien sûr absolument magnifiques et nécessaires. Voilà. Lorsqu'on s'engage, nous promet le Seigneur, lorsqu'on quitte tout pour le suivre, on aura des frères en grand nombre et des persécutions. Voilà. Et c'est bien de le savoir. Alors, j'aime beaucoup une phrase du cardinal Lustiger qui peut-être récapitule ce mystère de la grave allégresse du chrétien. Quand vous riez, vous chrétiens, vous ne riez pas, car j'ai mis en vous toutes les souffrances, toute la souffrance du monde. Et quand vous pleurez, vous ne pleurez pas, car vibre en vous l'espérance éternelle. On a une triplette de Sainte Thérèse, vous la connaissez, hein, j'ai évoqué Sainte Thérèse d'Avila avec son sentiment que le Seigneur maltraitait ses amis. Vous avez ensuite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui s'est engagée avec cette espèce de virilité, j'ai envie de dire, hein, dans son magnifique poème sur la joie, elle dit « Ma joie, c'est de lutter sans cesse afin d'enfanter des élus ». Et elle voulait tout, elle voulait être prêtre, prophète et roi, et nous le sommes tous par le baptême, elle voulait être missionnaire, elle a été contemplative, et c'est la patronne des missions. C'est stupéfiant hein, de voir qu'elle a accompli à proximité de là où elle vivait sa vocation, pendant les quelques années de sa vocation terrestre, et elle est docteur de l'Église et patronne des missions. C'est le grand paradoxe de la petitesse qui embrasse
désormais toute la planète, c'est vraiment une sainte connue dans, la terre entière. Et puis Mère Teresa aussi, que j'ai évoquée à propos de la nuit de la foi, et qui a été appelée dans son appel à 39 ans, « Viens, sois ma lanterne, va dans les taudis des pauvres, vois, ils pêchent atrocement, arrache-les aux griffes du mauvais. » Un appel dans l'appel, et il a fallu qu'elle aille consulter avec, obéissance les autorités de sa congrégation, les évêques, etc., pour se laisser envoyer avec la bénédiction de l'Église et pour développer toute l'œuvre que vous connaissez, les missionnaires de la charité. La grave allégresse du chrétien. Et chers amis, je crois que nous avons à regarder peut-être différemment l'histoire. L'histoire n'est pas celle des notifications qui pleuvent sur nos téléphones portables. L'histoire, c'est l'histoire secrète de l'amour dans nos cœurs et l'histoire de nos œuvres, des œuvres de charité dans le monde entier. Et cela suppose donc des actes d'amour, c'est ça qui compte. Est-ce que vous connaissez la parole de saint Augustin ? Ne dites pas « les temps sont mauvais », vous êtes les temps, nous sommes les temps. Soyons bons et les temps seront bons. Et c'est beau de savoir que c'est nous qui sommes les moteurs de l'histoire, avec le Christ qui travaille avec nous et qui l'a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'avais prévu de vous le dire à la fin, mais je vous le dis maintenant, ça me vient. La dernière phrase de l'Évangile, la toute dernière phrase de l'Évangile manifeste la puissance du Seigneur. Vous la connaissez ? Très peu de la connaissent. Hein. Il y a encore beaucoup de choses que Jésus a faites. Et je crois bien que si on les mettait bout à bout par écrit, le monde entier n'arriverait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. Vous connaissez, il y a encore beaucoup de choses que Jésus a faites, et si l'on répétait bout à bout par écrit, le monde entier n'arriverait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. C'est s'il fallait raconter chacune de nos histoires saintes, ici même, sous cette tente, dans les quelques jours de ce forum, il y aurait des livres à écrire sur les grâces reçues, sur le travail secret de la grâce, y compris dans les larmes, y compris dans les doutes, y compris dans la peine. Voilà. Il y a donc aujourd'hui des défis passionnants de la charité à relever. Quatre clés maintenant pour s'engager. C'est-à-dire finalement pour faire le bien. Première clé, voir. Voir. J'ai vu la misère de mon peuple. Dans le buisson ardent de Moïse, le Seigneur le rejoint et lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple ». Cette misère que Moïse avait vue lui-même. Dans son encyclique « Dieu est amour », le pape Benoît XVI dit « que le programme du bon samaritain, c'est un cœur qui voit. Qu'est-ce que ton cœur voit de la misère de notre peuple ? Heureusement, Dieu seul voit tout. Si nous voyons toutes les misères, on en serait écrasés. Mais chacun d'entre nous est appelé à voir des misères particulières dans les rencontres providentielles qu'il fait, dans son état de vie, dans ses études, des misères morales, des misères physiques, des misères spirituelles. Et il est appelé auprès de ces misères. Mère Teresa disait « Vos pays sont plus pauvres encore que l'Inde ». Et moi, de mon côté, avec Alliance Vita, là où je travaille, avec le Courant pour une écologie humaine ou avec À bras ouverts, eh bien j'ai vu des misères qui m'ont appelé, qui ont saisi mon cœur, qui m'ont saisi aux entrailles. Entrailles maternelles qui sont saisies de compassion, entrailles paternelles qui sont saisies de soucis de protéger, d'agir. Et voilà donc que nous sommes appelés. Chaque regard est personnel. Alors, des autres peuvent éclairer notre regard. Je pense à André Frossard qui nous montre à quel point le Seigneur seul peut nous donner la clé du bien et du mal. Seul le Seigneur. Il disait « Des montagnes de cadavres et des fleuves de larmes, disait André Frossard, sont là pour témoigner que l'homme est incapable de déterminer seul le bien et le mal. » Il faut une conscience qui, bien sûr, est éclairée par la grâce. Le Seigneur est là présent pour nous inviter à voir les enjeux. Et je suis frappé de voir qu'il y a une bataille, j'ai envie de le dire eschatologique, des batailles presque des temps derniers, où s'affrontent aujourd'hui deux conceptions de l'homme. La conception qu'on peut dire chrétienne, ou peut-être d'écologie humaine, où l'homme s'accueille dans sa fragilité, sa vulnérabilité, comme un mortel, et qui est appelé à se donner avec cette anthropologie du don, conception chrétienne, et puis une conception prométhéenne, qui pense que l'homme doit se fabriquer tout seul, se dépasser par le transhumanisme. Il y a vraiment aujourd'hui un défi pour vous, un défi pour notre temps à relever, pour que l'homme ne soit pas dans une spirale d'autodestruction. Et la clé de ce défi, qui est une clé de nos engagements pour nos œuvres, c'est la boussole de ce que j'appelle l'écologie humaine, tout l'homme et tous les hommes.
tout l'homme, sans exclure aucune de nos dimensions physiques, psychiques, intellectuelles, spirituelles, sans l'amputer surtout de cette dimension spirituelle qui le caractérise premièrement, tout l'homme et tous les hommes, sans en exclure aucun. Et partout, dans tous les actes que vous allez devoir poser, dans vos études, dans vos engagements, à chaque fois, critère de vérification. Dans ce que je fais, est-ce que je rends service à tout l'homme ou est-ce que je l'ampute d'une de ses dimensions? Est-ce que je rends service à tous les hommes ou est-ce que j'exclus de l'humanité une part, les plus fragiles, les méprisés, ceux que j'ai tendance à mépriser, ceux que la société compte pour rien et qui manifestent pourtant la pleine humanité? Qu'est-ce que c'est que faire preuve d'humanité dans nos œuvres? Qu'est-ce que c'est que faire preuve d'humanité? Il a fait preuve d'humanité, si ce n'est se pencher vers un plus fragile pour le relever, le consoler, en prendre soin, l'éclairer. Voilà, faire preuve d'humanité, c'est immédiatement se pencher vers un plus fragile, un plus vulnérable pour agir auprès de lui, en prendre soin. Et le même André Frossard que je citais avait dans le Figaro à l'époque des tout petits, c'était un ami du pape Paul VI, André Frossard, un grand chrétien. Il avait un tout petit billet cavalier seul et je me souviens quand j'étais jeune d'en avoir eu un qui m'aide toujours, où il disait « Les générations passées avaient besoin de beaucoup de courage pour choisir le bien contre le mal. Les générations futures auront besoin de beaucoup de discernement. » Dans l'usage de nos technologies, des magnifiques smartphones, de tous les produits, des réseaux sociaux, des logiciels qui nous relient ou nous séparent, quel discernement il faut avoir pour vérifier que ces magnifiques technologies nous libèrent plutôt que nous aliènent, nous remettent en relation les uns avec les autres plutôt que de nous couper les uns des autres. Vous le savez bien, on est très vite robotisé par ces logiciels. On est des logiciels qui sont conçus parfois pour flatter notre propre nombril. Et les amis des réseaux sociaux que nous avons, sont-ils vraiment des amis? Ce sont-ils ceux qui viendront nous tenir la main sur notre lit de mort? Ou sont-ils simplement une collection d'images virtuelles? Voilà, nécessité de discerner en profondeur. Et nous avons pour discerner, je ne vais pas le développer ici, des magnifiques outils en tant que chrétien, en tant que catholique. La doctrine sociale de l'Église fourmille de textes extraordinaires pour relever les défis complexes et inédits posés à notre temps. Pour utiliser la triplette des derniers papes, je dirais l'évangile de la vie, Evangelium Vitae de Saint Jean-Paul II. Magnifique à lire quand on veut agir de manière juste face à des lois iniques, injustes, face aux atteintes à la vie. Il y a vraiment des réponses magnifiques, c'est un texte assez simple à lire. La charité dans la vérité de Benoît XVI, très intéressant de voir aussi comment il nous propose de réguler nos œuvres de charité vraiment dans une vérité profonde. Et puis Laudato si du pape François, qui d'une certaine manière élargit l'espace de la charité à toute l'humanité, aux générations futures, du fait de l'immense puissance acquise par l'humanité. Donc nous n'avons pas à avoir peur, c'est d'ailleurs la fin de Laudato si, même si nous sommes, vous êtes peut-être comme moi, parfois effrayés par les descriptions apocalyptiques de notre temps, alors que nous sommes faits pour la louange et se réjouir de la création en été, de la biodiversité en particulier, par exemple, eh bien, le pape François termine par un acte vraiment d'espérance en disant « Dieu ne nous abandonnera pas ». Voilà. Mais c'est sur nous qu'il compte pour relever les défis de notre temps. Voir. Se laisser appeler. Voilà, se laisser appeler par le Seigneur. Pour se laisser appeler, il faut du silence. C'est là que sur une montagne comme ici, une montagne sainte, avec les temps d'adoration qui nous sont proposés, eh bien, nous pouvons écouter vraiment. Je me souviens de mon père, mon compteur spirituel qui me disait « Mais le Seigneur te parle, mais tu ne l'écoutes pas. Tu ne l'écoutes pas. » Pour écouter le Seigneur, il faut faire silence. Bernanos disait que le monde moderne est comme une conjuration contre la vie intérieure, qui n'est pas encore la vie spirituelle. Donc, est-ce que vous vous offrez parfois une heure seul à seul avec vous-même, en bonne compagnie, pour penser à votre vie? C'est bien le moment est favorable, là, en plein été, pour prendre des résolutions. Si on n'en prend pas, on a encore moins de chances de les tenir que si on en prend. Mais seul à seul avec moi-même, pour voir ma vie, pour la poser, la fameuse heure feu ou heure route que les scouts, paraît-il, ont, et pour, à l'abri des bruits du monde, des notifications de l'actualité, se poser avec soi-même et se laisser appeler par le Seigneur en son cœur profond, en relisant tout ce qui s'est passé. Où en suis-je avec ma vie? C'est le moment propice.
Et c'est important aussi de mesurer la possibilité de remplacer nos compulsions par l'action. On peut se référer peut-être, si je le trouve, à Galates chapitre 5, où Saint Paul nous parle, vous êtes en effet mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc il dit, on sait bien tout ce que produit la chair. Alors il faut qu'on se reconnaisse là-dedans, écoutez bien. Ça, c'est chaud. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Voilà, ça c'est nos vies d'aujourd'hui ou d'hier. Et le fruit de l'esprit est voilà, remplacer toutes ces compulsions que je viens de citer par charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Voilà, donc c'est le grand remplacement à effectuer dans nos vies, ce qui nécessite de voir peut-être avec plus d'acuité dans le temps que nous vivons, justement, tout ce qui nous rend esclaves. Se laisser appeler par le Seigneur. Et d'une certaine manière aussi, oser lui dire « envoie-moi ». Moi souvent, quand on me demande de parler, franchement j'ai envie de fuir, hein, et pas plus tard qu'hier. Qui suis-je pour qu'on me demande de parler devant une telle foule qui pourrait en dire tout autant, etc. Et puis grâce à la confession, grâce à la lecture de la parole, voilà, le Seigneur vient et j'ai une joie. Et je lui dis vraiment « envoie-moi ». Que je ne m'envoie pas tout seul, mais « envoie-moi ». C'est vraiment un appel qu'on peut faire pour savoir où aller aussi. Troisième clé, voir, se laisser appeler, s'impliquer auprès des vraies personnes. Chers amis, le monde digital n'est pas le vrai monde. S'il nous relie à des vraies personnes, c'est magnifique. S'il nous coupe des personnes, et notamment des corps des personnes souffrantes, c'est catastrophique. Et justement, face au défi digital, je pense qu'il faut nous plonger, faire comme une descente en humanité auprès des vrais corps. Personne ne peut faire l'économie de la rencontre avec les personnes fragiles, pauvres, en difficulté, qui sont d'ailleurs nous tous, hein, parce qu'au fond de chacun d'entre nous, il y a comme un petit enfant inconsolable et pris d'absolu. Et à un moment ou à un autre, on est tous dans la dépendance, on est déjà tous interdépendants. On a tous besoin de considération, d'amour et de tendresse. Quand Jésus dit, en présence de l'Esprit-Saint, et en tressaillant de joie au fond de ses entrailles, « Père, je te bénis, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout-petits. » Il manifeste une clé anthropologique. C'est auprès des plus petits que vous pourrez trouver le Seigneur, comme Saint Martin, hein, qui avait donné son manteau à un pauvre, et ensuite en songe le lendemain, à 18 ans, hein, soldat romain, Seigneur lui apparaît avec le manteau qu'il avait donné aux pauvres. Ne passez pas à côté de la joie, de la présence, de la peine des pauvres. Et surtout si vous êtes intellectuel, surtout, comme le dit le pape François, la réalité est supérieure à l'idée. C'est toujours auprès des personnes qu'on va pouvoir vérifier nos implications. L'homme se trouve en se donnant, voilà notre anthropologie. En nous donnant, nous nous trouverons. Et il y a une phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui me paraissait longtemps mystérieuse. L'abandon est le fruit délicieux de l'amour. Que l'abandon soit le fruit de l'amour, ça ne me posait pas de problème. Quand on aime, on se donne. Mais qu'il soit délicieux, et je vous invite à le goûter ça, à goûter que le consentement à ce que le Seigneur nous demande, il y a quelque chose de délicieux, quelque chose de délicieux qu'on peut goûter. Une joie plus profonde que les joies humaines. Ça va? Vous suivez? Donc, troisième clé, s'impliquer auprès des vraies personnes. Et s'impliquer notamment auprès des plus fragiles. Parfois, je vois des jeunes qui fourmillent d'idées, de volonté de transformer le monde par l'argumentation, pour rendre raison à la vérité, mais qui, d'une certaine manière, ne se rendent pas compte qu'ils sont comme envahis d'une idéologie. Une idéologie de la vérité qui n'est pas incarnée, qui n'est pas la vérité vraie. La vérité se trouve là où il y a la charité. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent, dit le psaume. Et là où il y a toute la misère de notre peuple, l'amour devient miséricorde. Le cœur qui se penche sur la misère. C'est dans la miséricorde qu'on trouve la vérité profonde de l'homme et de Dieu. Quatrième clé, se libérer. S'engager, c'est se libérer.
se libérer de sa propre personne qui nous encombre, peut-être de l'image fausse qu'on a de soi, de l'image qu'on veut donner de soi, se libérer de ses idolâtries, de sa vacuité. C'est d'une certaine manière exercer sa souveraineté en tant qu'homme et en tant que femme. C'est prendre la main sur l'histoire. Vous connaissez la formule que j'évoquais tout à l'heure, je crois, prêtre, prophète et roi. Voilà. Nous sommes rois parce que nous sommes appelés à agir dans le monde, à transformer le monde, à annoncer au monde en tant que prophète aussi le Seigneur. Et c'est cette souveraineté en tant qu'homme et que femme que nous exprimons par nos œuvres. Mais j'ai deux petits conseils complémentaires à donner pour se libérer. Et en tant que père de famille, et que fils aussi, j'ose dire qu'il faut que nous apprenions à nous libérer du surmoi parental. Comme le dit le père Verlaine, jusqu'à l'âge de 6 ans, le petit enfant confond Dieu avec ses parents. Les lois paternelles et maternelles sont comme divinisées dans sa psychologie. Exemple type, un agriculteur qui emmènerait son petit garçon de 3-4 ans au champ, il revient le soir, il a vu bosser son père. « Mon fils, dans la vie, il faut bosser. » Bosser, bosser, bosser. Et voilà un homme d'âge mûr qui va bosser tellement, qui rentrera tard le soir, après le coucher de ses enfants, qui prendra pas ses vacances, qui, etc., etc., qui va faire du travail une idole, qui ne sera pas jeûné de travail, parce que dans sa famille, ça se fait de bosser, bosser, bosser. Et à un moment donné, il faut qu'il coupe le cordon de cet héritage qui n'est pas ajusté pour découvrir que le Seigneur lui demande de passer du temps gratuit, libre, en dehors de son travail, qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, même si le travail est nécessaire. Et c'est valable pour beaucoup d'autres lois. Je ne sais pas quels sont vos surmois parentaux. Je vois un petit peu les miens, mais je ne vous les dirai pas. Je crains d'en avoir aussi un dû chez mes enfants, et j'espère qu'ils seront, certains l'ont déjà fait, certainement couper ces cordons pour pouvoir dépasser les fausses lois divines que parfois nous transmettons à nos enfants. Et pour les plus âgés, il y en a quelques-uns, je dirais qu'aussi il y a une libération à avoir par rapport au regard de sa caste. Vous connaissez l'histoire de Daniel et Suzanne et les vieillards? Il y a deux vieillards libidineux qui veulent violer la pauvre Suzanne, et puis ils l'accusent ensuite d'adultère, elle va être lapidée, et voilà Daniel qui est un notable, mais tout jeune, et qui ose prendre la parole contre sa caste. « Je suis innocent du sang de cette femme. » Voilà un gars dans un bizutage un peu pourri d'une école de médecine qui va oser dire non. Un nom ferme, un nom viril, je ne joue pas de ce jeu-là. Je suis innocent de cette affaire dégoûtante qui est en train de se jouer. La libération par une parole forte et pleine de respect, pleine d'amour, un nom dont le haut a la forme d'un cœur, notre grand oui à la vie, à nos appels, passe par des noms qui sont des noms N-O-N, qui sont aussi des noms de l'amour. Donc savoir, à un moment donné, se libérer de sa caste. Poser des actes de résistance intérieure et extérieure, en parole. J'ai un ami prof de médecine qui est dans le débat sur la fin de vie. Il est protestant, il m'a dit, mon père m'a dit, dans la vie, mon gars, parfois, il faut savoir se taire, et pas, il a fermé, et parfois, il faut savoir l'ouvrir. Voilà. Et il avait raison. Je ne parle pas là du surmoi parental. Et donc, à un moment donné, il l'a ouvert. Exemple type de surmoi parental, Saint François d'Assise. Qui part tout nu en laissant les beaux draps dans les bras de son père, parce qu'il ne veut pas être drapier, il est appelé autre chose. Voilà, il coupe le cordon et il est appelé librement, se libérer de tous ces conditionnements qui nous font croire qu'il faut se conformer à ce qu'on attend de nous, alors que le Seigneur nous appelle à nous laisser conformer à lui, lui le Seigneur. Combien de temps il me reste? Qui a la clé? D'accord, très bien. Merci. Eh bien, ça me permet justement de repartir avec le pape François pour l'entendre nous dire le 7 janvier 2016, les œuvres de miséricorde sont au cœur de notre foi. Et vous savez que le pape François a parlé de l'année 2016 comme l'année de la miséricorde, sûrement vous êtes intéressé à ce mot. Et je le cite. Parce que les œuvres de miséricorde sont justement la concrétisation de notre confession que le Fils de Dieu s'est fait chair. Parce que chacun de nos frères que nous devons aimer est la chair du Christ, Dieu s'est fait chair pour s'identifier avec nous et ce qu'il souffre, et c'est le Christ qui le souffre. Le pape François nous a exhortés fortement à nous pencher sur les misères de notre peuple, de nos voisins, de nos tout proches et aussi bien sûr des plus lointains. Combien de situations de précarité et de souffrance n'existent-elles pas dans le monde aujourd'hui?
Combien de blessures ne sont-elles pas imprimées dans la chair de ceux qui n'ont plus de voix parce que leur cri s'est évanoui et s'est tu à cause de l'indifférence des peuples riches ? Et il nous parle fortement dans Laudato aussi de cette... Il cite les évêques australiens lorsqu'il dit « Quel est le sens de l'interdit du meurtre, l'interdit de tuer, si la partie riche de la population du globe vole aux pays pauvres leurs moyens de subsistance ?» Donc ça fait mal hein, quand on habite en France et qu'on mesure à quel point il y a tout un système de péché dans lequel on est parfois englué et qui nécessite de prendre en compte, dans une démarche de libération, l'aide aux plus fragiles. Ouvrons nos yeux, continue le pape François. Et ça, c'est dans la bulle d'indiction de l'année de la miséricorde que je vous conseille de lire. Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité. Et sentons-nous appelés à entendre leurs cris qui appellent à l'aide. Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu'ils sentent la chaleur de notre présence, de l'amitié et de la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu'ensemble nous puissions briser la barrière d'indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l'hypocrisie et l'égoïsme. Alors chacun d'entre nous, avec son cœur qui voit, a entendu tel ou tel des cris. Moi j'ai été confronté à la souffrance, l'isolement d'enfants porteurs de handicap, de leur famille, et en les rencontrant j'ai trouvé mon bonheur et d'ailleurs ma femme. C'était pas le but. Et j'ai été aussi très frappé par la souffrance des femmes qui avaient vécu l'avortement. Et j'ai été frappé par la beauté de leur cœur aussi dans tous les services d'accompagnement dans lesquels je me suis impliqué. Et en rendant visite à des malades ces mois derniers, plusieurs personnes de ma famille qui étaient gravement malades à l'hôpital, j'ai encore mesuré combien ce qu'il dit, le pape François, est vrai, combien tant de personnes dans notre société ont simplement besoin de notre présence, de nos mains, de notre tendresse. Voilà, j'en parlerai plus dans l'atelier, comment vous appelez ça, enfin, dans le groupe dédié à la compassion. Mais pour terminer, je voudrais à nouveau citer le pape François lorsqu'il nous parle des œuvres de miséricorde. « J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. » Vous les connaissez ? Les œuvres de miséricorde corporelles, donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. On a bénéficié de ces œuvres de miséricorde corporelle dès notre naissance. On nous a longés, on a pris soin de nous, on nous a nettoyés, on nous a pris dans les bras, on nous a soignés, on nous a sauvés parfois, on nous a habillés, etc. N'oublions pas, dit le pape François, les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Vous trouvez ça au point 15 de la bulle d'indiction, c'est sur internet, du pape François pour l'année de la miséricorde. Alors, chers amis, votre génération a inventé des réponses aux défis contemporains de l'amour. Et elle a tous les moyens pour ça. Le Seigneur et son Esprit Saint qui sont présents au milieu de nous, qui sont présents en nous pour nous aider à prendre des initiatives, à savoir où nous impliquer, avec qui, dans quel groupe, dans quelle association, à consentir à notre appel. Mais vous allez inventer des réponses aux défis magnifiques de notre temps. Et avec le Seigneur, nous pourrons continuer à faire avancer l'humanité vers le bien, le bon et le vrai. Et nous pouvons ensemble continuer d'une certaine manière à écrire l'Évangile, selon la parole que j'évoquais tout à l'heure, que je voulais vous laisser en héritage, si j'ose dire. Il y a encore beaucoup de choses que Jésus a faites. Je crois bien que si on les mettait bout à bout par écrit, le monde entier n'arriverait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. Nos œuvres, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui vit en nous pour agir. Il ne nous abandonnera pas. Et soyons tous encore des innovateurs de la charité. Amen.